Hello les chéris, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rapide, très très simple. Donc j'entends souvent qu'est-ce que je peux utiliser pour dégraisser ma peau? Qu'est-ce que je peux utiliser pour des imperfections? Qu'est-ce que je peux utiliser pour assainir ma peau? Donc je vais vous proposer aujourd'hui un masque basique. C'est vraiment mon masque de base quand j'ai envie de ne pas quand j'ai pas envie de me prendre la tête, pardon. C'est accessible à tout le monde. Vous avez besoin que de trois ingrédients, du curcuma, du yaourt nature et du miel. Et de temps en temps, pour ajouter aussi une petite, un petit côté assainissant, clarifiant, on va mettre quelques gouttes de jus de citron, pas plus. Alors, comme je l'ai dit en intro, c'est vraiment un masque basique. C'est un masque qu'on peut utiliser en cure de 7 à 10 jours. Je pense que vous avez déjà vu des vidéos sur YouTube où vous avez des personnes qui utilisent le curcuma 7 jours de suite. Donc, c'est ce type de masque-là qu'on va avoir ici. Les ingrédients sont basiques. Pour le jus de citron, je tiens quand même à préciser qu'il faut l'utiliser avec parcimonie. C'est une ou deux gouttes, pas plus, et on le fait, mais vraiment très très rarement, pas à chaque fois que vous allez faire votre masque au curcuma. Voilà. Donc vous avez vu le mélange que j'ai réalisé tout à l'heure. Donc voilà la texture. Elle n'est pas trop épaisse, pas trop liquide. Donc on va l'appliquer comme ça sur la peau. Et ça, c'est un mélange que vous pouvez appliquer en cure pendant une semaine, pendant 10 jours. Pour celles qui ont vraiment les peaux à imperfection, c'est vraiment le masque qu'il vous faut en fait. Donc ce masque-là, c'est vraiment la base. Je vois, on peut l'utiliser pour clarifier les aisselles, on peut l'utiliser pour clarifier les lèvres. Franchement, c'est le masque que je conseille. C'est le plus facile à faire, c'est le plus accessible, c'est le plus on budget, on va dire, qui coûte pas trop cher. Donc je voulais vous le proposer. Il y a maintes et maintes recettes sur YouTube, mais moi, c'est ce qui fonctionne pour moi. C'est vraiment la base. Yaourt nature, miel, curcuma et le citron. C'est vraiment avec parcimonie. Avec parcimonie, une fois en passant, pas tout le temps. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez reprendre ce masque chez vous, que vous allez me dire ce que vous en avez pensé. Je vous envoie plein, 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 plein de gros bisous. Et ça, je vais le laisser poser une dizaine de minutes. Je vais nettoyer et puis je vous embrasse bien fort. Mouah!